Il existe deux forces motivationnelles essentielles, la peur et l'amour. Lorsque nous avons peur, nous nous éloignons de la vie. Lorsque nous sommes amoureux, nous nous ouvrons à tout ce que la vie a à offrir et avec enthousiasme, passion et acceptation. Il faut apprendre à nous aimer d'abord dans toute notre splendeur et nos imperfections. Si nous sommes incapables de nous aimer, nous ne pouvons pas nous ouvrir pleinement à nos capacités d'aimer les autres ou à notre potentiel de création. L'évolution ou l'espoir d'un monde meilleur repose sur l'intrépidité, la vision à cœur ouvert de ceux qui aiment la vie. John Lennon. Tout dans ce système est conçu pour vous faire reculer dans la vie. Exactement comme John Lennon l'a dit dans cette citation. Nous vivons dans un système qui est fondé sur le contrôle mental par la peur, et c'est cette peur qui fait que les gens se détournent de la vie en permanence. Et de grandes choses ont été accomplies par ceux qui ont saisi la vie. En effet, toutes les grandes choses qui ont été réalisées dans l'histoire ont été réalisées par ceux qui aiment la vie. Et tout dans ce système est conçu pour nous empêcher de le faire. Enfin, bien sûr, on nous donne certains plaisirs. Nous pouvons rechercher certaines conceptions de plaisir. Nous pouvons faire ce genre de choses. On nous offre des choses à faire. Mais est-ce vraiment ce dont il s'agit? Est-ce vraiment ainsi que l'on participe à la vie? Car la vie ne consiste pas vraiment à travailler, puis à se rendre dans des lieux de divertissement déterminés. La vie, c'est exceller, c'est expérimenter l'art d'être soi. Mais tout ce qui concerne ce système nous détourne de cette voie. Même le chemin spirituel. Alors, nous sommes conduits sur un chemin, généralement circulaire, qui nous mène à une petite impasse et nous enferme dans un état d'inaction. Et c'est la même chose avec la plupart des choses que l'on nous donne, qui paraissent être bénéfiques pour nous en apparence, présentées de cette façon. Mais quand on regarde vraiment un peu plus profondément, elles ne sont pas du tout bénéfiques. Et si vous regardez encore plus profondément, vous découvrirez que la plupart d'entre elles sont destinées à vous canaliser dans une certaine direction, sur un certain chemin, et à vous donner des concepts qui servent simplement à homogénéiser votre pensée et à vous éloigner de votre véritable nature. Il suffit de regarder les récents changements qui ont été apportés au système éducatif. Ils ont été faits sous couvert de rendre le système équitable pour tous les enfants. Oui, ils donneront des récompenses, ou pour vous, permettront de participer à un événement. Mais ils ne donnent aucune récompense aux élèves les plus performants parce qu'ils ne veulent pas que les élèves les moins performants se sentent lésés. Ainsi, pour l'essentiel, ils ne récompensent pas les personnes très performantes, et ne valorisent pas l'intelligence. Et cela empêche les gens d'exceller. Les gens croient que tout le monde a la même capacité cérébrale ou les mêmes aptitudes que les autres, ce qui est bien sûr faux. Cela empêche les gens de sentir qu'ils peuvent exceller. Cela les empêche de quitter l'école, de devenir entrepreneurs, et cela homogénise la société de sorte qu'il n'y ait pas de personnes exceptionnelles, parce qu'il n'existe pas de personnes moins douées. Le système uniformise ainsi tout le monde. Mais comme je l'ai dit, il empêche également les gens d'exceller et de se libérer des mécanismes de contrôle du système. Nombreux sont ceux qui ont déjà dit à plusieurs reprises que ce à quoi nous sommes confrontés est une bataille spirituelle. La plupart des choses qui nous sont offertes, comme les mouvements dits New Age, les nombreuses voies spirituelles que les gens suivent. Ces types de chemins sont très souvent conçus pour détourner votre vie de toute participation réelle à la vie. Cela peut sembler très étrange pour beaucoup de gens, mais c'est vrai. Si vous passez votre vie assis pendant des heures à méditer, vous passez en quelque sorte à côté du monde dans lequel vous vivez, et des gens qui vous entourent, et qui sont venus ici pour partager cette expérience avec vous. Et c'est vraiment l'expérience qui compte. Vous savez, nous passons beaucoup de temps dans notre vie à vouloir trouver l'unité que nous croyons exister. Mais en réalité, lorsque vous avez fait l'expérience de cette véritable unité au cours d'une méditation ou d'une cérémonie, c'est en fait un moment très solitaire, profondément solitaire. Et vous en ressentirez les effets après la fin de cette expérience. Donc assurez-vous de ne pas passer à côté du chemin, de ne pas passer à côté du voyage que vous faites, de ne pas passer à côté de l'expérience, de la jouissance, de la dualité, de la jouissance d'avoir quelqu'un avec qui avoir une conversation. La dualité en elle-même est la façon dont l'expérience se produit. Sans la dualité, vous ne pouvez avoir aucune expérience, parce que vous ne faites qu'un avec l'univers entier. Vous êtes omniscient, tout-puissant, omnipotent. À partir de là, comment faire autrement? À qui d'autre pouvez-vous parler? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces informations? Oui, est-ce que ça pourrait être la raison pour laquelle nous sommes ici? La raison pour laquelle nous sommes venus ici, pour expérimenter cette grande expérience de dualité amnésique? Parce que c'est vraiment la seule façon de vivre ce que nous appelons une expérience. C'est la seule façon d'avoir une véritable expérience sans l'amnésie qui l'accompagne. Comment voulez-vous que quelque chose de nouveau se produise? Vous connaissez déjà le résultat de tout, chaque expérience, chaque sensation. Ainsi, vous devez arriver dans cette réalité avec une image complètement neuve, sans rien connaître, pour que l'expérience vaille la peine d'être vécue. Voire même pour que cette expérience puisse exister. Réfléchissez à quelque chose que vous aimez vraiment faire, et rappelez-vous la joie ressentie la première fois que vous l'avez fait.
et la joie que vous avez ressentie les nombreuses fois où vous l'avez fait par la suite. Mais si cela durait pendant 10 000 ans ou 1 million d'années, quelle joie en retiriez-vous? Je pense que vous devez vivre votre vie dans un état d'amnésie, sans quoi il n'y a rien à expérimenter. L'une des meilleures choses à retenir de la vie, c'est qu'il s'agit de l'expérience, du voyage. Il ne s'agit pas de collectionner des choses. Il ne s'agit pas de richesses matérielles. Nous pensons trop souvent que c'est le cas. Nous pensons que cette quête de richesse, cette quête de connaissances intellectuelles ou cette quête de je ne sais quoi, c'est l'expérience de la vie. Mais il n'en est rien. La vie, c'est la sensation, le goût, l'odorat, la vue, la sensation des choses, le toucher, le fait de manger, de ressentir des émotions, d'apprendre à quoi servent ces émotions et comment les utiliser, de ressentir de l'amour pour une autre personne. Faire l'expérience des arbres, des oiseaux, des papillons, de l'océan, de toutes les choses incroyables que l'on peut expérimenter ici. Et cela n'existe que dans la matérialité et n'a rien à voir avec l'accumulation des richesses. C'est une question de voyage. Vous savez, nous suivons ce chemin où règne cette quête de la connaissance ou cette quête de la richesse, mais ce que vous trouvez, c'est que plus vous en obtenez, moins vous êtes satisfait. C'est une chose intéressante. Vous savez, si vous donnez à tout le monde 10 millions de dollars ou 100 millions de dollars ou 1 milliard de dollars ou autre de la richesse illimitée, il est probable que dans une semaine ou deux, ou un mois ou deux, ou certainement dans un an, ils s'ennuieraient à en mourir. Ils ne sauraient pas quoi faire s'ils étaient capables de tout faire. Ils ne sauraient pas quoi faire parce qu'aucune des choses qu'ils font dans la vie ne sont de vraies occupations. Je pense que s'ils obtiennent 10 millions de dollars, ils vont les dépenser en voyageant dans le monde entier et en visitant tous ces endroits, qui ont tous été homogénéisés pour être les mêmes que partout ailleurs. Ou bien ils vont acheter des vêtements de luxe, des voitures de luxe, une grande maison ou autre chose. Nous achetons tous ces trucs, et nous obtenons toutes ces choses, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il ne s'agit pas vraiment de cela. Vous savez, on croit que si on atteint ses objectifs, ça voudra dire quelque chose. Mais non, ce n'est qu'une distraction de qui on est vraiment. C'est la même chose que beaucoup de quêtes intellectuelles auxquelles nous nous livrons dans ce monde. Plus nous acquérons des connaissances, moins nous en savons. Parce qu'en accumulant de plus en plus de connaissances, nous commençons à réaliser qu'il s'agit surtout de l'opinion d'autres personnes, et que nous ne connaissons pas vraiment la validité de la plupart d'entre elles. Vous ne savez pas vraiment quelle est la fiabilité de la plupart de ces sources. Vous vous dites qu'elles proviennent de livres très réputés, écrits par des auteurs très réputés aussi. Mais comment le savez-vous? Comment savez-vous qu'elles sont vraiment dignes de confiance? Je remets tout en question parce qu'en fin de compte, nous ne connaissons que ce qui existe dans la mémoire vivante. Tout le reste ne sont que des choses que l'on nous a enseignées. J'ai découvert que la seule vérité réelle que je n'ai jamais connue et que je ne connaîtrai jamais, c'est moi-même. Si vous souhaitez vraiment comprendre le monde et la situation difficile de l'humanité et tenter de trouver un moyen de vous en sortir, vous devez vraiment mettre les choses en perspective. Et il est certain que les gens doivent comprendre que ce qui se passe ici est essentiellement de l'agriculture humaine. Nous vivons dans une ferme humaine, mesdames et messieurs. Et la meilleure façon d'assouvir les masses, c'est de les faire vivre dans une prison invisible. La véritable valeur d'un homme n'est pas déterminée par sa possession, supposée ou réelle, de la vérité, mais plutôt par sa volonté réelle d'atteindre la vérité. Ce n'est pas la possession de la vérité, mais plutôt la quête de la vérité par laquelle il étend ses capacités et dans laquelle il se trouve sa perfectibilité toujours croissante. La possession rend passif, indolent et orgueilleux.